Bonsoir tout le monde. Vu qu'il y a une question qui est toujours posée, comment savoir est-ce que c'est le brin sens ou le brin non-sens qui fait du le brin coudon qui fait du le brin non-coudon? Donc il y a une petite astuce que je vais vous apprendre. Comme ça, une autre fois, vous n'allez pas faire d'erreur. Donc la première des choses qu'il faut savoir, d'accord, on a deux brins, d'accord. Le premier brin, toujours, il s'appelle le brin sens, dans ce mot, le brin sens, d'accord. Le brin sens est le brin coudon. Voilà. Et le deuxième brin, bien sûr, donc le deuxième brin, dans ce mot, le brin non sens, non sens, ou bien ce mot, le brin non coudon. Ou bien on peut se mouthanique le brin transcrit le brin matrice, d'accord. Donc c'est des tismiyat qui fait. Donc je répète, j'ai deux brins. Le brin sens, on l'appelle le brin coudant. Le brin non sens, c'est le brin non coudant. Et le brin transcrit et le brin maîtrise, tout ça, c'est les mêmes noms. Le brin sens, et qui est le brin coudant, toujours commence de 5 primes jusqu'aux 3 primes. D'accord? Toujours. De 5 primes jusqu'à 3 primes. Le brin non coudant, bien non sens, toujours il commence de 3 primes jusqu'aux 5 primes. D'accord? La deuxième astuce, ça c'est une séquence d'ARN messager qu'ils ont donné par exemple. À partir de cet ARN messager, ils vont demander donne-moi le brin sens et le brin non sens. Dès que vous avez la question, qui écoute le brin sens, dès que vous avez 5 primes ou 3 primes, vous avez dit que vous avez 5 primes, 3 primes. À part que tu dois l'écrire comme elle est, c'est juste que tu dois changer le U avec le T. هذا واش راح يتبدل في le brin sens. Par exemple, A A C. J'écris 5 primes bien sûr. C C A. U, donc il voulait T. T G C. C A T parce que c'est U. A T C. C T G A T et j'écris 3 primes. Ça c'est le brin sens, le brin coudant. Toujours ce qui va changer, c'est le U qui va devenir le T. Rien d'autre ne change, c'est par ordre, avec l'ordre du bras qui m'a ouvert. Elle met le brin non sens ou le brin non codant, le brin transcrit, li hay bdel 3 primes, 5 primes, hna koulcha hay tbeddel. Le A hay wli li T, le G hay wli li C, le C hay wli li G et le U hay wli li A. D'accord? Ou daym yebda 3 primes, 5 primes. Donc j'écris 3 primes hnaya. A donc il wli li T, A il wli voilà. A il wli li T, C ou les légers, C ou les légers, G, A ou les U, plutôt A ou les T, U ou les A, C, G, C ou les G, T, A, T, A, G, C, C, donc G, G. A, C, T, A. Et j'écris 5 primes. Donc je récapitule toujours. Le brin sens, c'est le brin codant. Il commence de 5 primes jusqu'à 3 primes. Tu vas écrire la même séquence de l'ARN messager. Du 5 primes à 3 primes, tu dois juste changer le U par T. Le brin non sens, brin non codant, il commence par 3 primes à 5 primes. Tout va changer. Le A, il change en T, le G en C, le C en G et le U A. Merci d'avoir regardé la vidéo.